Epa. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, regarde! Regarde en bas! Ouh! Non! C'est quoi ça? C'est mon boulot ça! Mec! Et salut tout le monde, c'est Redkin, on se retrouve aujourd'hui sur une map abonnée qui nous a préparé 12 canons à TNT qui sont juste derrière moi. Il y en a vraiment des inédits qu'on n'a jamais vus. Regardez déjà rien que cette petite tour derrière moi. On va aller voir ça. Salut à toi Epa, est-ce que tu vas bien? Merci de ne rien casser. Exactement, tu as compris? Attends. Tu sais ce que ça veut dire, rien casser? Oui, attends, cela mérite... Hop! Hop! Et voilà! Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous retrouver sur une map... disons, on plaisante. Amusez-vous bien. Oui, c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Destruction. Ok. Ah oui. Non. Si. Ok, donc le créateur Pingwell qui nous a envoyé sa map, eh bien, par, j'allais dire SMS, mais non, par mail. C'est déjà ça. Envoyez Redkin au SMS 3262, non surtaxé, voilà, n'hésitez pas. Ça... On a 12 canons aujourd'hui et pas que on va tester tranquillement. Et puis comme d'habitude sur ce genre de map, c'est parti, on commence. J'ai cru que t'allais râler. Oh, non, t'inquiète, beau. Oh, il n'y a aucune destruction, alors... ça n'a pas le temps d'atteindre le sol par contre. Oh. Comme d'habitude... N'hésitez pas à voter pour le canon à TNT que vous préférez. Et toi, ne nous fais pas bugger le système. Ah non, mais c'est vrai qu'il y a toujours le crash test. On fait toujours un crash test. Oui, c'est exactement ce... Alors, je me suis quand même reculé. Hein, on va pas se mytho. C'est chaud quand même. C'est chaud, le crash test. Ça devrait le faire. Normalement, ça, celui-là ne peut pas péter. Il a aucune faille. Aucune faille, tu dis? Aucune faille. Aucune faille, tu dis? Non. Faille? Ça fait rien? Mais ça... Oh, je pensais que ce serait drôle. Même pas. Allez hop, un peu de fun. Mais si voilà. Tu veux te faire propulser, pas en... Pardon! Vite! Bon, mais le crash test, ça fonctionne. C'est un très bon canon, il n'y a pas de problème. Oui, bah voilà, ben, il pas le refaire. Hein, à la sans source extérieure, ça a un peu fonctionné. Eh oh! Salut. T'as lancé une TNT? Non, tu t'es juste pris mon cul, en fait. Oh putain, mec, j'ai vu un truc blanc, je me suis dit c'est la TNT activée. Ouais. Ça a pas l'air de l'inquiéter. Quoi? Non! C'est pas non. Ah! Merde! T'es parti où? Je suis tombé. C'est pas non, comme en si... Fait, c'est, c'est un plongeoir, c'est tout simplement un plongeoir en TNT, le canon est là et c'est juste ça. D'accord, ok. Ok, voilà. Okay. Donc ça on l'avait déjà plus ou moins vu, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous dire celui que vous avez préféré encore une fois et on le fera dans un labocraft et on le testera bien évidemment sur notre cobaye qui nous attend gentiment. Ah, le crash test moyen hein, parce que là t'as vu, c'est passé au travers. Ouais, ça a pas pris. Vas-y, continue à tester le crash test. Eh ben oui, effectivement. Et il en peut plus là le piston. Ça ne devrait pas sortir à travers le slide. Bon, calme-toi sinon tu vas toucher le prochain. Bon alors, j'annonce hein. Avant la fin de cette vidéo, ce pont sera détruit. Pour ne pas appuyer trop vite sur le bouton, sinon le canon explose. Ah, mais là c'est prévenu et pas, donc ne le fais pas, ok oui. Donc, j'appuie une fois. Putain. Attends, mets-toi là, toi. Mais j'ai appuyé en même temps. Ah bon? Oui, j'ai appuyé, on a appuyé en même non, temps sur le... Non, tu te mets là où je suis. Ok. Il est derrière. Il est où? Oh putain. Oh non. Oh, nul. Saute au moment où t'appuies. Attends, j'appuie et tu sautes, d'accord? 1, 2... 3. Ah bien. Non, ça prend pas. Non, c'est de la merde. Ok. Non. 1, 2, 3. Ok, d'accord. Bon, on fera le crash test après, parce que là, c'est quasiment sûr que ça fail. Donc, on va pas le faire maintenant. Bon, ils sont assez sympas. On avait eu l'occasion d'en voir dans des labographes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de pouvoir découvrir tous nos tutos, que ce soit... Et pas le crash test, on a dit pas maintenant. Vite. Oh ah ah. Ça a pas tenu. Espèce de gamin. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah ah ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Oh. J'ai survécu. Regarde ce que j'ai récupéré. Ah. Oui. Ah, c'est quand tu vas monter dessus. Oui. Ouais, c'est bon en plus. Le prochain est un design plutôt classique de. Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Mec, notre serveur est tellement performant qu'en slime. Fait. Je te vois rebondir sur slime au moment où t'es ici en fait. Ah oui d'accord, ok, super, alors que j'étais à 500 blocs de hauteur, mais bon, c'est pas grave.
Merci le très... Oula. Alors le classique, qui va pas très très droit. Oh. Il a tendance à aller un peu sur la gauche celui-là. Oh. Ah oui. Comme ma bite. Putain. Oh 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 oh. Oh putain. Ça a marché. Vas-y. Je fais un crash test, hein. Oui. Oh, t'es parti où? Oui. Ça marche. Il est vivant. Oui. Essaye, c'est génial. Non, faut se mettre dans l'eau. Youhou. Ah ouais, ça marche. Ok, bon, ça c'était encore une fois un classique. Celui-ci, par contre, certes est classique, mais son côté où il a, eh bien, de côté, est assez sympa. Donc là, ça va partir à droite. Oui. En fait, on peut le faire en duo. Je suis plus on peut le faire en duo. Je suis plus intéressé par ton décollage que celui de la TNT. Viens avec moi. Oui. Okay, allez, vas-y, on peut le faire en duo. Vas-y, mets-toi l'autre. Regarde-moi. Ouais, salut. Regarde-moi. Oui. Oh, pourquoi tu montes aussi haut, toi, tout le temps? Wow. Il est extrêmement content. Oh. Oui. Putain, mais attendez pas. Attends, il faut replacer la TNT comme ça, hein. T'as vu? T'as vu comment il a écrit? Oh, fais chier, j'ai pas le temps, moi. Donc en fait, là, il faut mettre tout autour. C'est attends, parce que moi, j'ai pas vu. Time. Ah non, pas dans l'eau, hein. Non, ouais. non. Ok, donc regardez le design de celui-ci, c'est une vraie box, c'est assez sympa. Et c'est un 360 du coup peut-être? Oui. C'est un bon gros 360 comme on avait pu voir dans un LaboCraft. Alors celui-ci, active, du coup, tu peux placer les blocs sur les... en cobblestone, ok. J'active, on va voir ce que ça donne, je l'ai pas vu moi. Attends que ça pète. Ah oui, ça pète bien. Hein. Ah ça pète bien, ça met. Hein. Ah c'est beau. Hein. Ah oui. Ah oui. Ça pourrait faire un feu d'artifice. En tout cas, avec des petits dispensers, ça serait encore plus optimisé et un petit peu plus sympa. Regarde. Voilà. Mets-toi où tu veux et regarde vers le ciel. Ouais. Regarde vers le ciel. Quoi? Bah ça fait des feux d'artifice. Ok, regarde vers le ciel. Mec, il y a des canons de sable. Viens voir ça. Ok, c'est bon, tu m'as convaincu. C'est bon, tu m'as convaincu. Attends, regarde d'abord celui-là. Ah, mais c'est d'abord un canon à enclume, celui-là. Et c'est parti. Attends, j'ai envie de le tester celui-là. Quoi? Viens oh, ici toi. Putain. T'es où? Ok, t'es prêt? Attends. Ah, vite, crie. Ah, c'est bon. Bouge pas. C'est bon. Merde, c'est parti trop loin. Attends, je vais voir ce que ça fait si j'en mets 15. Oula. Ça va partir bien trop loin. Là, à mon avis, ça va faire n'importe quoi. Et puis de toute façon, on aime tester les choses. Les boutons, vite! Oh, c'est trop beau! Boum. Oh ah non! On a perdu un moutmout! Ah bah voilà, bah ça fonctionne! Ça fait une ligne. Oh! Ça fait une ligne. Ça, c'était parfaitement visé. C'était beau. Ce n'est pas un canon à sable. C'est un canon à flèches. Alors attends, je charge les flèches. Normalement, voilà, ça se fait comme ça. Ah d'accord, ça se fait tout seul. Ok, je croyais qu'il fallait le laisser charger et ensuite c'est... Ok. Yes. Oh mec, remets tes moutons ici. Non, j'ai pas le temps. Oh putain, ils sont tous au mauvais endroit. Non. Quoi? C'est bon. Vas-y, va appuyer sur le bouton, tu vas voir. Ah, bouton. Ok, viens voir, vite, les moutons. Je vois le départ. Ok, on en a touché deux, c'est pas mal. Ouais. Alors, vas-y, tire, moi je mets des moutes. Ok. C'est un style de canon qu'on n'a pas présenté encore. Je pense qu'on peut le compacter beaucoup. On peut mieux le compacter. Mais en tout cas, oui, si vous en voulez un, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Alors, je vais tirer deux fois. Alors, attention. T'as fait le crash tête? Mec, j'en ai touché deux encore, on a vraiment pas de chance. Hein. Ouah, mais attends, ça revient. Ça revient. Mec, t'en as touché un. 1, 2, 3. Ah, c'est ça. Ouais, non, mais en tout cas, il y a moyen de surcharger encore plus à ce niveau-là, regardez. C'est-à-dire que là, je pense que si je viens activer automatiquement... Bah, si je triche un petit peu, je fais ça. Regardez. Allez, les pages-là, je les fais charger un maximum. T'es prêt? Ok. Oui. Putain, qu'est-ce que tu nous as fait, toi? Ah, d'accord. C'est vraiment au cas où il meurt pas avec ça. Oui, c'est ça. C'est, voilà, mais j'aurais même pu attendre et en mettre un peu plus. En tout cas, là, ça en rajoute un petit peu. Attention, ça va se lancer. Regarde ça. Vas-y. Touche. Là, il y en a. Ça touche pas, je me casse. Oh bâtard. Oh putain. Merde. C'est What parti un peu plus loin que l'enclos. Solution finale. Ça, c'est la bonne idée. Allez, salut tout le monde. Allez. Oh putain. Mec,
T'as même pas retouché de la TNT. Pourquoi? Mais c'est de la merde! Poussez-vous, putain! Je peux pas jouer tranquille, hein, c'est incroyable. Voilà! Là, ça va marcher. Ah oui, d'accord. Okay. Alors, moi, j'y vais à la torche, mais alors lui, il se fait des dispensers, un petit stone. Exactement, ah, là, on se fait plaisir. Alors, le canon suivant, celui-ci, alors je sais pas si tu te souviens avec ta mémoire, mais il ressemble énormément au deuxième canon, je crois que c'était le Labocraft 21. Qu'on avait fait avec du gravier, effectivement. Du gravier. Ou du sable. Du gravier. Oh, mec, t'imagines, ça te pousse tellement haut que t'arrives à monter sur le sable à côté. Genre, t'arrives à te poser sur la colonne de sable. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, vas-y, c'est dommage. Ah, du coup, comment il fonctionne, celui-là? Eh oui, non, mais ça, c'est vraiment un ancien, alors. Bon, je le conseille pas, celui-là, parce que en 2019, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Mais regardez, ça, c'est une version assez ancienne qu'on avait pu faire à l'époque. Qu'est-ce que c'est que celui-ci? Attends, j'ai appuyé, on va voir ce que ça fait. Mec, c'est un propulseur? Ah non. C'est vrai? Je sais pas. Oh putain. Mec, ça aurait été un propulseur, j'aurais été dégoûté de le faire à la main. Yes! À quoi il sert? À kill? Ouais. T'es dedans? T'es prêt? Vas-y. Vas-y, fais la commande, hashtag commande un cobaye. Je commande un cobaye! Amazon Prime est en livraison. Votre colis a été expédié. Votre colis est livré. Ploum. Ah! Ouais! Enfin. C'est quoi ça? Attends. Regarde! Ouais! Quoi? Pourquoi j'ai pas monté? Attends, mais. On est censé être propulsé, effectivement. Surtout que, en fait, si tu te regardes de l'extérieur, tu te rends compte qu'il y a gavé de TNT qui sont mises. Oh en putain! En fait, tu vois pas, on dirait qu'il y en a qu'une, mais en fait, il y en a gavé. Non, il y en a plein, mais ça marche pas par contre. Non, comment ça se fait? Mais c'est moult merde. Oh. Ah oui, c'est bon. Moi ça m'a propulsé. Mais... Oh. Théo 435. Oh. Pas mal. Bon, par contre la chute elle est mortelle. Oh. Saute. Ah mec, mais on mais c'est bien parce qu'en fait on reste vachement droit vu que justement il y a un grand tube. Ah oui. Attends, je reviens. Ah oh, si ça se trouve on va être synchro, je vais revenir et je me... Ah ben non. Oh, c'est attends, viens, on essaye ça. Vas-y. Vas-y, attends, j'essaie. Attends. Tu me dis quand tu commences à redescendre. Vas-y, c'est bon. C'est parti. J'ai appuyé. Ah, trop tôt. Trop tard. Ah, oh, merde. Attends. Wouh. Mais reste en haut. Mets-toi sur les... Ok. Alors, il n'y en a qu'un de nous deux qui doit être propulsé. Vas-y, attends. Je te propulse. Vas-y, propulse-moi. Donc, dès que tu commences à redescendre, tu me le dis. Ah, oups. Vas-y, refais. Putain, si on arrive, il nous reste que 4 possibilités. Après, il n'y a plus de TNT. Ok, dès que tu commences à redescendre, tu me le dis, j'attends un peu. Je commence à redescendre. Ok, 3, 2, 1, c'est bon. Vas-y maintenant. C'est même trop tard. Ah bon? Oh non. Oh, pile poil. Oh, mais ça t'a pas trop impacté. Non, dommage. Tu redescends? Moi je suis là en fait, j'ai pas eu le temps de trop voir. Vas-y. Ah mais c'est nul. Attention là, faut pas se fouer, se chier. Oh non, c'est la dernière. Non, remets-en une. Non, il a plus. Ah, c'est toi en fait. C'est toi la TNT. Attends, si j'appuie maintenant, du coup. Oh putain, y'a ça y est, canon suivant. Mais comment on n'avait pas? Non, je voulais juste un canon, mais. Est-ce que t'as vu? Ah oui. Mais je suis pas d'accord. Ah si, y'a monsieur Epa aussi. Alors, une seule utilisation, cet endroit explose. Non, Epa. Non, et pas. Non. Et pas. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, regarde! Regarde en bas! Ouh! Non! C'est quoi ça? C'est mon boulot ça! Oh merde! Mec! Putain! Ça pète pas tout hein! C'est pas un canon, et là, ça c'est un. Je tiens à remercier notre hébergeur là. Ah, parce que là il a tenu. Tiens, hein! Il tient, c'est vrai, il faut la voler! Putain! Comment ça se fait? Mais pas! Allô? Mais c'est la. Bah, oui, je suis là. Mais non, mais attends, j'y crois pas. D'habitude, là, on est censé se retrouver dans 30 minutes, le temps de redémarrer les serveurs. Bon, bah, suivant, hein. Bon, bah, suivant. Alors, allez, le canon suivant, en tout cas, il l'a mis bien à la bonne distance, j'allais dire, mais non. Je crois qu'il y a eu un problème dans celui-là. Bon, bah, écoute, voilà. Dommage, voilà, il m'avait l'air fort sympathique. Oh, si, go. Allez, vas-y. Voilà. Ah, bah, voilà. Attends, non, on va pas aller chacun de notre côté. Bah, si. Tu veux aller de l'autre côté? Bah, moi, je veux voir les l'un après l'autre. Ah. Oh bah salut. Non. Attends. Merde. J'ai annulé. Attends, je te suis.
Suis-moi. Game mode. Putain, qu'est-ce que c'est long. Adventure. Et pas. Ça va pas les couilles. Merde. Ah. Voilà, c'est bon. Est-ce que t'avais vu que t'étais en game mode aventure? C'est censé exploser là? Mais je sais pas. Mec, je pensais que c'était un truc qui allait exploser. Ah si, c'est censé. Mais moi aussi. Oh regarde, j'ai niqué ta blouse. Allez, adieu Ipa, merci beaucoup pour cette petite vidéo. Oh regarde, ta tête qui s'est décomposée, mec, c'était vachement beau. Oh non, ta tête, mec. Ah, mais c'est 10 fois mieux avec du sable qu'avec autre chose, t'as vu c'est... Mais grave, parce que ça retombe en fait. Ah, c'est énorme, viens, on va voir que ma tête, ça va me faire sortir. Ah bah, c'est exactement lunettes. Ce que j'allais dire. Je la remets exactement au même endroit. Putain, t'as vu Ipa, apparemment, on a un bouton clic ici pour finir la map. Oui, regarde-toi, regarde-toi. Oh là 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 là. What the fuck. Allez, plus rien. Ah putain, c'est trop beau les blocs qui retombent, mec. C'est magnifique. Allez, viens voir, on va. J'appuie ici pour terminer la map. Je sais pas ce que c'est. Moi, je... Ah, bon, Zef. Quoi? Il y a marqué casser une TNT. Pour activer? Ouais. Mais j'ai pas compris. Ok, d'accord. Quoi? Sauf que là, c'est quoi ça? Fait péter, là, c'est... Ah non, c'est en dessous de nous. Ah! Ah, il nous a mis en créa. Oh, oh putain, en mode survie. Bien joué. Bien joué, pas. C'est. Wow. Allez, merci à toi, Pingouin, pour cette super map qu'on adore. N'oubliez pas de nous dire laquelle vous avez préféré, on la mettra dans un LaboCraft. Mettez un petit j'aime sur cette vidéo, ça nous ferait extrêmement plaisir. Salut à toi, Ipa, à la prochaine. Salut. J'espère Salut. Que cette petite map explosive t'a fait plaisir. Bien sûr. Ah oui, mais, j'aime ça. Mettez un pouce bleu, parce que moi j'en mettrai un. Allez, salut à tous. File-moi.